Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode face caméra pour aujourd'hui, format spontané. Je crois que vous kiffez aussi un peu ces vidéos plus live, qui sortent vraiment du cœur, des tripes et de la tête. Et je viens de terminer juste maintenant, à l'instant, je suis rentré à la maison il y a même pas 10 minutes. Une soirée assez importante pour l'histoire de l'agence. Il y a maintenant environ un an, on a été approché par une commune de la région pour un appel d'offres. Pour les personnes qui suivent la série, vous allez savoir de quoi je parle. En gros, c'est une commune, la commune de Chavannes, tout près de Lausanne, qui nous a contactés, en fait, qui voulait, dans le cadre d'un appel d'offres, faire une grosse campagne sur l'image qu'avaient les gens de la commune. Et en gros, ils voulaient faire une vidéo pour changer l'image que les gens se faisaient, en fait, de la commune de Chavannes. Même si, de base, je ne suis pas un immense fan du concept de l'appel d'offres, en mode genre, on a un projet, concours, qui a la meilleure idée, on prend celle-là. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, ils pompent toutes les idées de chaque agence, de chaque boîte qui a postulé. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment, vraiment bien fait. En gros, chaque boîte qui postulait à l'appel d'offres allait être en fait rémunérée pour l'idée qu'elle allait être apportée, même si la boîte n'était pas sélectionnée. Mais du coup, on postule à l'appel d'offres et vraiment, on a fait un gros taf. On s'est vraiment défoncé pour ce projet, pour mettre vraiment toutes les chances de notre côté. Et le 23 décembre 2021, je vais manger au restaurant avec Phil, et on parlait un petit peu de l'année en cours, on faisait une sorte de briefing, un bilan un petit peu sur la fin de l'année. Et je me rappelle que mon téléphone sonne, et on stressait de ouf parce qu'on était en train d'attendre en fait la réponse de l'appel d'offres. On avait postulé, tout avait été envoyé, tout avait été présenté, et maintenant en fait il n'y avait plus que la réponse à recevoir. Et mon téléphone sonne, et du coup je réponds, je suis avec Phil au restaurant, il y a un peu du monde autour qui nous regarde en mode genre ils ont l'air stressés. Et d'un coup, le gars au téléphone me dit « c'est bon quoi, vous avez gagné ». Et je me rappellerai toujours vraiment, genre, on s'est regardé avec Phil, on s'est mis à chialer les deux, on s'est mis à pleurer, on s'est pris dans les bras, on s'est fait un putain de câlin. On a appelé après la team le soir au bureau. Salut. Ouais les gars. On a gagné mec, on a gagné les gars. On a gagné le concours. Et c'était ouf, c'était ambiance de fin d'année, ambiance un peu de Noël, enfin je sais pas. Vous me connaissez, je kiffe trop un peu cette ambiance de Noël, de fin d'année et tout. Et je sais pas, c'était ouf quoi, vraiment c'était ouf. C'est un souvenir franchement, et je me rappellerai à vie, vraiment. Et du coup en fait, je sais pas si vous vous rappelez, cette chaîne devient très alcool. Mais en gros, on avait acheté cette bouteille de champagne et on avait écrit en fait dessus « Chavannes 2022 ». On l'avait bu avec la team au retour des vacances, donc à la rentrée 2022. Et c'est un projet qui a duré presque 10 mois. C'est un projet qui nous a vraiment expulsé loin de notre zone de confort. On a vraiment dû se surpasser, tester plein de nouvelles choses. On a dû intégrer un green screen dans la vidéo, on a dû intégrer des figurants, on a dû trouver un acteur pour la vidéo, on a dû écrire un script bien ficelé. Il fallait gérer plein de scènes, vraiment c'était vraiment un vrai set, c'était vraiment un vrai tournage d'un vrai film, d'une vraie campagne. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment jusqu'à ce jour, ça a été le plus gros projet, le projet le plus consommateur d'énergie, de concentration, de ressources pour la team, en termes d'humains aussi, c'était vraiment vraiment costaud. Mais c'était juste putain de magique. Franchement, c'était ouf. Donc, c'était vraiment 10 mois bien intense, mais franchement, juste super, super cool. Et en fait, ce soir, aujourd'hui, j'ai dû en fait présenter, durant la soirée des entreprises de la commune, en fait, la vidéo, ce qu'on avait réalisé avec eux. Et en fait, c'est ce soir qu'ils ont annoncé, c'est ce soir qu'ils ont lancé en fait la vidéo, pas aux habitants, mais aux entreprises de la région. Et demain, première heure, le 7 octobre 2022, en fait, ça part en mode campagne à fond, avec des campagnes sur les réseaux, sur YouTube, avec une grosse annonce. Et franchement, c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool ce soir. Pour nous, ça fait longtemps qu'on rêve d'en parler. Ça fait quelques semaines, voire mois, que la vidéo elle est prête, qu'elle est toute ok, toute nickel, qu'il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton publier, quoi. Et du coup, on rêve de la montrer aux gens, on rêve d'en parler, on rêve de la diffuser, mais on pouvait pas encore, fallait vraiment attendre. Et en fait, ce soir, c'est comme une sorte de bébé un petit peu, dans le sens où il fallait présenter ça. Il y avait environ 90 personnes qui étaient présentes, 90 pour les Français qui étaient présentes à la soirée. Et j'ai réfléchi un petit peu à comment je pouvais en fait, plus que juste amorcer la vidéo et dire « Voilà, on est l'agence d'air, on a fait une vidéo, regardez, kiffez, bonne soirée. » Je me suis demandé comment est-ce que je pouvais un petit peu, d'une part, tirer profit du fait que
on puisse ajouter un visage ou des visages sur la vidéo, à se dire ah, ok, c'est cette équipe qui a fait ça, et de l'autre part essayer de planter une petite graine émotionnelle, une petite graine, un petit souvenir, quelque chose pour rattacher une émotion ou un truc à la vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette bouteille, c'est que je suis monté sur scène, j'ai pris cette bouteille, et en arrivant sur scène, j'aurais fait une blague, j'ai dit vous inquiétez pas, je vais pas la boire, elle est déjà vide. Bonjour à toutes et à tous. Donc non, je vous rassure, c'est pas pour maintenant, ça, on l'a déjà vu, elle est vide. Et voilà, donc mon nom est Greg, je suis fondateur de l'agence DER, une agence de communication qui est basée à Lausanne. On est une jeune team de 6 personnes, ça fait maintenant 4 ans qu'on vit une belle aventure et qu'on se lève chaque matin avec le feu au trip, le feu de la passion, comme ça qu'on l'appelle. Mais en gros, du coup, je leur ai fait un petit peu tout le contexte, comme vous maintenant, où j'ai expliqué un petit peu comment est-ce que le projet est arrivé. Et vraiment, j'ai mis un petit peu l'histoire de l'agence d'ailleurs aussi, pour dire que ce projet pour nous, ça a été l'élément de déclic qui a fait qu'on commence vraiment à lancer un peu une croissance. Et vraiment, je pense que c'est le projet qui a... Cette année 2022, c'est vraiment une bonne année niveau croissance. On a plein de projets qui se mettent en place. Vous voyez sur la série aussi, je pense, où les choses avancent dans le bon sens, vraiment. Et c'est un projet qui donne confiance. Vraiment, faut pas se le cacher, c'est un projet où le fait de voir qu'on est en concours avec d'autres agences, de voir qu'on est sélectionné, qu'on fait un travail qui plaît à la fin, ça donne vraiment confiance en nous, en la team, en notre vision, en nos compétences, en ce qu'on sait faire, entre ça, puis entre ça et entre ça. Et j'ai repris cette bouteille pour leur dire, voilà, au-delà de juste un projet vidéo, pour nous, ça a été vraiment dans notre petite team de quelques personnes, ça a été vraiment juste, mais magique. En termes d'expérience humaine, ça a été magique. Donc j'ai remercié à fond la commune, les personnes qui étaient là et tout. Et franchement, je ne vous cacherai pas que dès que je suis parti après de scène, qu'ils ont lancé en fait le film. Donc pour nous, ça a vraiment été magique. Donc encore une fois, un grand merci. Vraiment, c'était juste un projet extraordinaire. Je suis très reconnaissant. Et j'espère que vous allez kiffer le film. Bon visionnage. Hey, salut. Bienvenue à Chavannes. Ce Chavannes ? Non, ce Chavannes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses changent. Allez. Je vous montre. Ça, c'est le Vortex. Je regardais, le film je connais par cœur, mais genre par cœur, chaque milliseconde je la connais par cœur. Mais du coup je regardais en fait les gens dans la salle et je voyais ces sourires, je voyais ces gens juste, tout heureux à se dire putain c'est cool. Puis en fait c'était tous les fruits en fait du travail qu'on avait fait, je les ai vus ce soir. Et là vraiment je suis rentré à la maison avec une petite musique un peu inspirante dans la voiture et j'ai une sorte de... boost de reconnaissance, vraiment à me dire genre putain je suis vraiment reconnaissant de aujourd'hui. Et tous les matins j'en ai parlé, mais j'ai plusieurs règles que je me répète, et une de ces règles c'est vraiment de se dire que jamais j'oublierai d'où je viens, mais vraiment que je resterai tout le temps reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui malgré ma recherche de ce que je veux réussir à avoir demain. Et c'est un peu une leçon que je me fais super souvent à moi personnellement, et que j'aime bien des fois partager aussi avec vous un petit peu sur la série. Soyez pas aveuglés parce que vous voulez réussir à avoir demain. Et moi aussi, je me retrouve encore parfois maintenant de moins en moins, heureusement. Mais encore parfois, je me surprends vraiment à regarder ce que font les autres. Et à me dire, putain, ça avance pas assez vite. Mec, ça avance pas assez vite, ça avance pas assez vite, bouge-toi. Regarde lui ce qu'il a déjà fait, regarde ce qu'il a déjà fait, regarde où il en est. Il a déjà une grosse boîte, ils sont 20, 25, 30, ils ont des gros bureaux, ils ont du gros cash flow. Et vraiment, je regarde un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Et le problème, c'est que plus on regarde ce qui se passe ailleurs, moins on est concentré sur ce qu'on a, nous, devant nos yeux ici. Et moins, en fait, on valorise tout ce qu'on a déjà aujourd'hui. Quand on y pense, le bonheur, c'est tout con, c'est tout simple. C'est pas un truc matériel, c'est une sorte de sens et un ressenti qu'on a au fond de nous. Et puis là, en rentrant juste avant, j'ai fait une sorte de liste un petit peu, vraiment à voix haute, de tout ce qui allait bien aujourd'hui, en fait. Tout ce qui est déjà présent là aujourd'hui. Des choses simples, très très simples. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, quoi. C'est mon plus gros défaut. Et je pense que c'est le défaut de beaucoup de personnes. Je pense que vraiment, j'en parle souvent, mais je pense vraiment que ces réseaux sociaux, c'est une gangrène pour ça, quoi. C'est vraiment juste un truc super toxique qui pourrit, je pense, la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. Et surtout les jeunes qui arrivent maintenant, les nouvelles générations, là, putain, c'est hardcore, quoi. Je pense que ça leur grille la cervelle, clairement. Mais ce côté où tout est lié tout le temps à la thune, à l'argent, et les deux choses que les gens, que les jeunes cherchent maintenant, c'est l'argent et la fame. C'est des followers et de la thune. J'ai l'impression que c'est que ça. Et peu importe avec qui je parle, j'ai des potes qui ont un taf simple, qui gagnent tranquillement leur vie, mais qui envient toutes les personnes qui se font de l'argent, qui disent voilà, moi aussi je vais réussir à me faire du cash, putain.
Et du coup, en fait, qu'on a l'impression que leur vie, elle est pas ouf. Des personnes qui regardent sur Insta, des gens voyager, faire plein de choses et se dire, putain, ma vie, elle est pas assez cool, celle que j'ai ici, elle est pas assez folle. Et en fait, on est vraiment dans un monde où on regarde tout le temps ce qui se passe ailleurs, parce qu'on est sur les réseaux, et puis du coup, on voit en fait la vie de tout le monde, puis du coup, on se fait happer là-dedans, en fait. Et nous, quand je parle de ça, je suis pas en train de critiquer les autres, parce que genre, je suis tombé vraiment dans ce piège. Et des fois, je me surprends à nouveau me dire, putain, mais ça va pas assez vite, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse, faut que ça bouge plus, faut que ça cache plus, faut qu'on grandisse plus vite, qu'on change de bureau, faut. Et je me mets tout le temps cette pression à faux, puisque je regarde chaque fois un peu ce qu'il y a ailleurs. Regardez pas ce qu'il y a ailleurs. Tirez un gros fuck royal à ce qu'il y a ailleurs. Et regardez juste vous. C'est pas être égoïste, c'est juste se rendre compte de ce qu'on a devant nous. Et à force de regarder chaque fois gauche-droite, ben on perd en fait ce qu'on a devant nous. Et là, ce soir, c'est un soir où je me dis, sois reconnaissant, mec. D'être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui, malgré la recherche de ce qu'on veut réussir à avoir demain. Mais regardez vraiment ce que vous avez devant vous, déjà aujourd'hui. Et je pense que faut pas se satisfaire de ce qu'on a là, faut réussir à vouloir plus, c'est bien, de vouloir s'améliorer, de tester de nouvelles choses, d'évoluer, de grandir, d'avancer, c'est ce qui donne une sorte de sens à sa vie, à se dire bah, « ok, bah, je pars de ce point, je vais réussir à évoluer ». Donc c'est pas de se satisfaire ce qu'on a là, mais d'être conscient de ce qu'on a là, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui apporte vraiment du putain de gros kiff à la vie. Ne pas créer une frustration, mais une reconnaissance. Donc voilà, donc ça c'est grâce à ce projet aussi, ces réflexions. Et vraiment c'est nota bene, à bien mettre ça dans ma tête. Je pourrais me le tatouer sur le front ou un énorme sur le bras. Genre, sois reconnaissant de ce que t'as aujourd'hui. Et le chemin il est cool, il est vraiment cool quoi. Ça avance dans le bon sens. Je crois à fond au destin, à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place. Et ça va marcher. En tout cas, j'y crois dur comme fer, quoi. Bref, croyons vos rêves. Lâchez pas et gardez vraiment cette vision bien claire en tête. Et soyez conscient de ce que vous avez juste maintenant devant vous, aujourd'hui. Ou plutôt, sois conscient, Greg, de ce que tu as juste maintenant devant toi. C'est un peu ça, cette vidéo. Bref, prenez soin de vous. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous.